Alors moi je vais améliorer. Est-ce que autour ça va améliorer aussi? J'en sais rien. Ticket flag, ticket flag. Est-ce que ça va tenir? Ah, le suspense, deux pôles en deux courses, alors ça serait magical, hein, magical. Ah ouais, c'est ça Alix, mais c'est ça en fait. Salut Théo, Théo Ben. Bah, en tout cas, je vais pas te dire comment ça se passe le coaching Théo, mais regarde les résultats. Paul position. Ah ouais, là c'est vrai. Là tu envoie-moi un petit message Théo sur mon Discord, il est dans la description en MP. Après, si je peux t'en parler en quelques secondes avant que ça commence, le coaching c'est simple, hein. C'est qu'on part sur 2 fois 2 heures sur circuit de Sebring en GT4. Réglage matériel, 5 à 10 minutes, 15 à 20 minutes d'observation. Après, premier conseil, et tu verras que lorsque tu vas te regarder conduire, tu vas te rendre compte de beaucoup d'erreurs. Après, on va essayer ensemble de voir comment corriger ces erreurs, et une nouvelle fois, elles vont te sauter aux yeux. Et après, bah, on aura bien avancé dans la séance. Et dès qu'il nous restera 40, peut-être même 50 minutes, ça sera à moi de te diffuser un de mes tours à moi et de te montrer en fait, tout ce que tu fais en mal. En espérant qu'il y en ait le moins possible, mais voilà, te montrer tout ce que tu fais en mal, tous les préjugés que tu as et les mauvais avis. Peut-être de dire « Ah, mais ça, je pense pas que… »« Ah, mais ça, j'ai l'impression que… » Ben, tu verras que l'impression que tu as est peut-être mauvaise, mais après, je t'ai pas vu rouler, donc je sais pas. Derrière, il essaye de magouiller là. Il essaye de magouiller, mais on va le brainer. Envoie-moi un message, ouais. About to go green, stay focused, catch the pace car. Ça c'est un départ au niveau de la, au niveau en tout cas de la vision de la ligne, pas 300 mètres avant. Tu as déjà fait Snetterton, pas trop. Après je connais le circuit par cœur, donc on peut, hein. Après le circuit, moi je sais pour vous, hein. Mais après, on est vraiment sur du Sebring. Sebring, c'est un circuit complet, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Sebring, c'est un circuit où il y a tout, en fait. Il y a des freinages forts, il y a des longs virages. Il y a des enchaînements, hein. Il y a une épingle. Et surtout, il y a des boss. Oh, ta gueule, il va voir. Incroyable, ce vide. Incroyable. Est-ce que ça va être la même course qu'à Long Beach? Vous savez, je suis pas trop... Alors, c'est pas que je suis stressé, hein, dès qu'il y a un mec derrière moi, mais je sais absolument pas m'échapper quand il y a quelqu'un derrière. Ah, pour la F4, ouais, Victorino, il est bon. Mais il n'y a pas que ça, mon petit Mathieu. Moi, je le répète, hein, le coaching, c'est faut s'enlever de la tête que grâce au coaching, tu vas gagner 5 secondes auto. Ça, ça fonctionne pas. Grâce au coaching, tu vas gagner de l'aisance. Tu vas gagner un espèce d'équilibre entre performance et constance. Le côté freine plus fort, va plus vite, va tout droit, va à gauche, non. Non, fais ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est un freinage fort au droit. Ça, ça fonctionne. Et ça, ça parle à la personne. Non. Oh, 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 oh.
Va abattre des arbres, toi, nom de Dieu, là. Et ma prime mensuelle. Elle arrive quand fin septembre. Incroyable, ça. Incroyable. Ce matin, dès que je suis allé au Leclerc, j'avais le polo avec Happy et la gage dessus. J'avais le polo. La caissière. Oh, il est beau, votre polo, monsieur. Eh oui, il n'y a pas que ça qui est beau. Il y a mon compte en banque. Ah, ça, je vous crois pas. Oui, non. T'as raison. Salut, DGA. C'est le faux. Bon, j'ai déjà l'impression que la McLaren est en train de perdre un petit peu en rythme. C'est ah bah la McLaren au bout de deux tours t'as plus le pneu de toute façon. Donc. Ouais, fiche call. Ouais, bon, bah, alors là, la conversation va pas aller plus loin. Santo tutti, esti la grazie. Ok, on a du monde aux trousses. Ouais, les Aston, l'aisance qu'elles ont. Ah ouais, non, mais en plus, le mec, c'est pas des dépassements qu'il fait. Hein. C'est je te double, mais je te fous dehors, donc. Ta gueule, toi. Il me perturbe à ce con. Allez, battez-vous derrière. Voilà, on a créé un petit gap, parfait, on a fait exprès, voilà, de un peu foutre la merde, du coup derrière ils se battent comme des chiffonniers, parfait. Mais je suis pas sûr que je la gagne, hein, vraiment. On est déjà en train de sous-virer en fait. Ah, parfait Geoffrey, mais c'est le but aussi. Hein. Le but des events c'est aussi de gagner en confiance, gagner en constance. Et surtout arrêter de se mettre une espèce de pression à vouloir absolument faire un résultat. Si tu te mets cette pression du résultat, tu fais que des erreurs. Si tu regardes là, que je la gagne ou que je la gagne pas, l'objectif c'est juste d'essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque tour. Et si tu réussis à le faire, ça fera un résultat. Mais si t'es ah il faut que je la gagne, il faut que je la gagne, ah bah là c'est clair que déjà d'une tu vas pas la gagner et de deux tu vas pas la finir. Ah oui les salut Bébus, eh oui. Les pouces bleus là. Hey Christophe. Si, il y en a une ou deux, je crois, des Porsche. Ouais, elle est un peu moins bien. C'est vrai qu'elle est un peu moins bien.
Bon, me voir en tête, on est d'accord que c'est ennuyant. Est-ce que vous préférez quand je fais exprès que de louper mes qualifs? On est d'accord. Oh, bah, je suis mauvais en qualif. Je suis loupé. Au moins, il y a de l'action. Là. C'est clair que dès que t'es tout seul, ah oui, tu gagnes de l'e-rating, c'est cool. Hein, mais bon. En tout cas, le mec d'ailleurs, on va les laguer. Hein, parce que vu la manière dont il double, on va les laguer sur le côté, celui-là. Ah non, je crois. Là, mais là, honnêtement, faut que je bombarde parce que derrière, il va revenir. Derrière, incroyable. Non, la BM c'est pas la meilleure, après elle est loin d'être arrêtée. ...51,5 de balance. Bon là il m'a pris 5 dixièmes dans ce tour, malheur, il a un turbo derrière. Ah oh ouais, il a un turbo. Hein. Qu'il est. Voilà, voilà, je pense qu'on va, on va moins s'ennuyer. T'es chaud, j'ai l'impression qu'en ligne droite, on n'est pas trop mal. Vous avez vu, un trajectoire défensive, il reste 2 tours, vous avez le droit. Il en reste 20, bon, c'est pas très utile, là, il en reste 2. C'est Jordan. Car on. Still there. Clear. Ah, il va rester un tour, ça va être chaud de tenir. Oulala. Real nice work, this is the white flag lap. On fait pas le coup du dragon à l'inventaire des coups des dragons. Il a voulu le faire, hein, vous avez vu? En fait, il a tellement pas l'habitude qu'on se bat avec lui qu'il pense que tout le monde va se laisser intimider. Je vous dis, hein, il a tellement pas l'habitude qu'on se bat avec lui, hein. Il a 6000 d'e-rating, donc c'est censé, c'est à lui, bah c'est lui qui doit gagner la course. Car on your left. Keep to the right. Clear on the left.
prends l'aspi, ma petite McLaren Petronas. Voilà, ah, pas d'aspi. Allez, victoire. Il a, je vous dis, hein, je suis sûr qu'il a tellement pas l'habitude en fait de que quelqu'un défende qu'il roule en mode. Par contre là, j'aimerais bien te donner l'aspi, mais je peux pas. Come on, guys, P1. You won, yeah. C'est sûr, je l'ai vu quoi. Alors, on peut aller vérifier ses cours, je suis sûr, il en a fait 5-6. Et je vous dis, hein, je mets ma main à couper que lorsqu'il fait une course, ce mec-là, en fait, il tente que des dingueries. Et vu que les mecs, entre guillemets, il les surprend parce que certains n'ont pas l'habitude, bah là, il a vu que moi, toutes ces techniques de je plonge, je fais ci, je fais ça, non, 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 you don't pass me. Villeneuve, c'est le premier à dire qu'on se fait chier, mais ah, mais il zigzague, il zigzague. Oh non, 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 non. Bah, je vais m'inscrire à une course vers Verstappen, je vais cracher. Ah, là, il n'y a pas de changement de ligne. Hein. Le gars qui dit. Le mec qui dit tu changes de ligne, il y a le virage. Hein. Ici, là, au moment où là, je remets le coup de roue, le virage, il est là. Hein. Donc, il n'y a pas de changement de ligne. Non, donc clairement, non, non. Comme quoi, cette McLaren, elle va bien. Mais par contre, il lui faut pas plus de 15 minutes. Hein. Je pense que tu en rajoutes 10, là, t'es cuit. Hein. Donc voilà, je pense qu'avec la BM, clairement, il y a moins d'exister. Il y a moins de tout autant exister, du moins. En tout cas, là, c'était chaud. Et là, ici, il a voulu tenter. Ah là, clairement, il tente ici. C'est un fou furieux. Il m'a quand même mis un coup de roue. Hein. Un coup de pare-choc. C'est lui, il faut que je le niche. Lui, il faut que je le niche. Et là, la technique du singe javanais, c'est-à-dire que là, je vais le laisser aller chercher Exter. Va chercher Exter, mon petit, fais-toi plaisir. Sauf que ici, dans ce virage, tu tournes pas. Donc du coup, vu qu'il tourne pas, et moi, vu que j'ai beaucoup moins de vitesse, mais plus, entre guillemets, à la corde que lui, je vais accélérer tôt. Et regardez l'avance que je vais lui mettre ici. Hop, là, il prend un dixième, deux dixièmes, voire même trois dixièmes. Et à partir de là, soit il tente une dinguerie, soit il finit derrière, quoi. Et pour le coup, bah, il a fini derrière. Donc,